Oh, les gens, alors dans le dernier épisode, on avait battu Kabu et maintenant on peut enfin se diriger vers Kikenheim et du coup passer par la deuxième partie des Terres Sauvages. Je prie juste pour avoir une chance de trouver la griffe rasoir. Pour avoir 10 morets, ce serait bien. Et alors, nos complexes. Et éventuellement trouver un Pokémon à capturer. Si on voit un Pokémon bien. Bon, il y a Whelmer, mais on peut pas le capturer. Puis on a de toute façon, on a déjà type eau. On a déjà un type poison. En fait, l'idéal ce serait un Pokémon de type psy. Alors, psy acier, ça peut être intéressant. Bon, allez. Non, alors, je sais pas qui tu es, mais non. Au permis, non, j'ai déjà un type haut dans ma team, s'il te plaît. Alors, psy acier ou psy fée, le mieux ce serait. Non, c'est pas grave. Alors, le mieux ça aurait été psy fée, si je trouve un Chapeautus ou un garde-voir. Oui, un garde-voir, mais. Quoique Galam pourrait être pas mal. En fait il me faudrait un Kyria ou un Tarsal. Est-ce que je viens de faire Budo alors que je voulais faire Méga Sensu? Faut que je fasse attention à ce que je fais quand même. Hein. Bon alors ça c'est bon. Pas du tout toi que je voulais. D'ailleurs on va entraîner la team. On va donner des bonbons à la team. Dix chacun. Voilà. Ah oui, mais il y a. On va prendre Grimace. Non, merci. Bon, malheureusement, Grat-Grat, on n'aura que 7 parce que il est déjà trop puissant. Voilà, Gradrat est un peu trop puissant et voilà, passe niveau 29. On donne le reste. Alors. Hop. Passe au niveau 29. Et il me faut vraiment le vélo. Je vais regarder si je peux pas en trouver ailleurs des pierres hauts. Sinon il me faut le vélo pour aller sur l'eau, mais je ne l'ai pas tout de suite. Regarde là, niveau 30, je vais prendre combo griffe. Non, merci. Et lui, hop. Alors bonbon Dynamax. En vrai, je vais tous les donner. Hein. Tout ce que j'ai. Comme ça me servira pour les arènes. Bon, alors, je sais pas si on peut croiser des Tarsal ou des Kyria. C'est Mistrel. J'ai déjà un petit vol. Ah, un objet. Peau de miel. Alors, je sais pas si vous savez, mais on peut avoir des... peut avoir des restes dans ces arbres là, ça peut arriver, c'est rare hein, mais allez une autre fois et c'est tout. Hop, des baies. le rond gourmand qui court. Deux baies citrus. Oh non. Un rond. Ah, c'est rond grigou, pardon. Rond gourmand, c'est avant. Il niveau combien? 26. Ah oui, quand même.
Ouh, les dégâts sont nuls. C'est un crit en plus. Oh mon dieu. Oh les dégâts. Oula. Rien ne va plus. Relâche. Ok, alors. Puis-je fuir parce que là. Ouf. Donc, quitte à ce qu'il me fait toutes les baies, je m'en fous, mais. Allez, s'il te plaît. De bec caillot, calot, pardon. Et une baie citrousse. Poc poc, les baies poc poc. Ah, je me suis encore fait arnaquer. Rongrigo. Oui, alors, Opéra, t'es bien gentil de me mettre des. Mais je m'en fous. Gag. Oh mais en plus il s'ouvre ce salaud hein. Petit opéra, mais oui mais. Oh. Le navigateur opéra qui s'ouvre parce qu'il m'a affiché un message et tout de suite. Alors en vrai, Gringolem, un type sol, un type spectre sol en plus, c'est pas mal. J'avoue que je pense que c'est pas mal d'avoir un Gringolem. Alors par contre, ouais, niveau 29. Bon bah il sera pas entraîné. Franchement il a le niveau de la team, c'est tant mieux. J'essaie de l'affaiblir très peu hein. Oh mais qu'il est. Il a malédiction, putain, mais non. Heureusement que j'ai des potions et que j'ai des super balls. Alors, s'il te plaît, rentre dans la Super Bowl. B plus bas, sur là. Je fais B plus bas avec les doigts. Et il rentre. Nickel. Alors. J'ai pas d'idée pour lui donner un nom à lui. Donner un nom. Je réfléchis. Je reviens. Je réfléchis à un nom. Bon, alors j'ai trouvé. En espérant que ça rentre. Hein. Alors, espace. Non, je l'ai appelé là. Ouais, je vais aller à un saut de Pokémon pour le renommer. Ouh, Doctu Noir. C'est un peu risqué ça. Alors. Je suis à la recherche du coup de dans la fosse des sables normalement il y a la griffe rasoir. Faut maintenant que je trouve où se cache la griffe rasoir. Ce sera nickel. Oula putain il y a un tyrannosif qui a pop. Le fossile poisson, donc déjà ok. Super balle. Oh il y a des critosaures. Poussière d'étoile, s'il vous plaît. Alors là-bas il y a une CT normalement. Alors c'est pas vraiment ce que je cherche. Je crois que je vais mettre 3 heures à trouver à tous les coups. Ça se trouve on a qu'une chance de la voir et elle n'est pas trop grande, la Karatrok. Non. Karatrok non. Qu'est-ce que c'est? Ah c'est Batrachné. Non. Ah non c'est Cranopo. Il fonce dessus. Ospar, bon ça se vend. C'est toujours pas ce que je veux. Morceau d'étoile, ça se vend aussi. Et vous allez voir que je vais avoir tous les objets du monde sauf ce que je veux. S'il vous plaît. Sinon faut que je le trouve sur un Pokémon et Pierre Soleil, d'accord. Alors, c'est pas la bonne pierre que je veux, mais. Ah, attendez. On saute comète, c'est toujours pas ça. J'ai foncé dedans. J'ai foncé dedans, comme un débile. Ah oui, il a l'air très fort. Merde. Ah oui. Niveau 46, oui d'accord.
Tu m'étonnes qu'il a l'air fort. Alors, on est encore dans la fosse de sable ici, on est bien d'accord. Le libégon. On est d'accord que pour l'instant je suis encore dans la fosse des sables, donc. Ah, tu vois, il y avait un autre objet. Non, j'ai rêvé. Il y a des goupilous partout. S'il vous plaît, donnez-moi l'objet que je cherche. Je vais passer tout l'épisode à chercher, je vais pas le trouver. Il y a un bout à livrer. Ça, c'est intéressant aussi, le bout à livrer. L'objet, on se trouve ces arbres-là. Ah. Il y a un objet, là. Ah. Oh. Oh fuck hein. Je l'achèterai ou je la prendrai plus tard. On peut l'acheter à Holchester il paraît. Donc voilà. Hein. Hop, c'était vraiment très chiant. Ne pas trouver. Je pense que faut la trouver par hasard. Hop. Il viendra pas, j'ai pas la pierre, je ferai. Ah oui, c'est vrai qu'il l'a battu. Mon dieu, Travis. Ouais. Qui est chaud. Bon, allez, go. Oui, nous sommes à Kikenam, qui est donc du coup la ville de la dernière arène. Et là, on va voir plein de blabla. Très intéressant les blabla. Hein. Avec la tour avec une énorme tête de dragon. D'ailleurs, c'est qui comme Pokémon? Parce que c'est gentil, mais on dirait pas du tout, on dirait pas du tout un Pokémon connu. Bon, alors. C'est vrai qu'on l'a pas regardé, mais avant je vais le renommer. Oui. Bon. Ne pas faire l'erreur. Bien mettre l'espace. Alors. Je suis pas sûr que ça rentre. Hein. Quoique, si ça rentre. La rocaille! Qui vient de. Et eh bien de du bossu de Notre-Dame. Et qui était une des gargouilles de bossu de Notre-Dame. Résumé, alors qu'as-tu mon beau la rocaille? Il a maladresse. Ouh, il a une, une nature qui lui augmente son attaque. Par contre il lui baisse sa défense spéciale, c'est un peu emmerdant mais. Trépignement, mur de fer, ombre nocturne, malédiction. Pas fou comme comme attaque ce qu'il a, mais rappeler une capacité. Est-ce qu'il peut apprendre des capacités lui? Coup de beau, point ombre. Ah oui, bah oui, mais ça oui. À la place de l'ombre nocturne qui est spéciale et surtout que point ombre est physique et ne rate jamais. Qu'il a d'autres trucs intéressants. Non, bon bah oui. Bon bah du coup, bon maladresse c'est pas trop grave, il peut pas juste tenir d'objet. Je vais soigner ma team. Non, absolument pas. Donc on va soigner ma team. Soignage de la team. Je vais juste regarder si j'ai pas des super bons. J'aimerais bien que Toxizap évolue en Salarsen. Oui, merci de me dire qu'il y a un Pokémon qui est apparu à la gare. Attendez. Par non. Voilà.
Ah, j'ai pas de super bonbon, donc comme ça. Ok. Je reviens, je vais juste voir si des pierres hauts on peut en avoir ailleurs que là où, où je pense, là où il y a toutes les évolutions. Je reviens. Bon, eh bien écoutez, soit on va devoir attendre d'avoir la bicyclette, donc c'est dans un moment. Parce que, attendez, du coup, je regarde la carte, mais je crois que c'est dans un moment, oui. Hein. Parce que là, on va aller ici. Donc la prochaine arène, elle est là, elle est à Outchester. Ensuite, on a encore Corifei après, et Ludester. On a encore 3 badges avant d'avoir le vélo qui est ici. En gros, on aura 6 badges avant de pouvoir avoir Ludicolo. À moins que, par chance, en faisant mon épisode... après, je vais faire un épisode Dynamax. On ira voir si avec les frères là qui creusent, on peut pas en avoir. Parce qu'ils trouvent des pierres souvent. Oui, blablabla, parfait, que telle qu'humiliation. Travis, on s'en fout. Le président. Moustache. Ah, d'accord, mon téléphone qui vibre pour me dire que c'est l'heure de faire n'importe quoi. Il est 8h, hein. Il va être 8h du soir, mais bon. Je réveille depuis 5h du matin, tout va bien. J'espère pouvoir dormir plus demain. Hein. Enfin, après, vous me direz pourquoi je rentre. Ah, il y a des. Qu'est-ce qu'il vend lui? Des Scuba Ball, ok. Non, je pense. Ça aurait été bien une boutique de CT. Donc je dois aller ici, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, je devais aller ici, et après on va aller à gauche. C'est aussi un seul avec le réacteur. Oui, là, il nous présente comment ça fonctionne. Blablabla. C'est une centrale électrique en fait. Et un réacteur qui récupère l'électricité. Allez, tu devrais aller à la salle des reliques. Ok, on va aller à la salle des reliques. Et aussi, je vais enlever Howard de la tête de mon équipe. Je vais mettre quelqu'un d'autre. Bah on va mettre le starter. On va entraîner le starter. La rocaille, déjà niveau 29, hein, donc pas vraiment besoin d'entraîner. Tiens, il y a Tarak. Avance bien. Mais dis-moi, Justin, quand il m'a vu, il s'est excusé. Il a eu une défaite. Voilà, voilà, il a perdu. Il a perdu face à Travis. Allez. C'est par où déjà? Roy, mon meilleur ennemi. Son meilleur ennemi et sûrement son meilleur ami aussi. Ah. Non. C'est pas ici qu'on peut faire un combat pour récupérer un chantibonbon ou un truc comme ça pour les trucs pour Crémy. Que c'est un combat double, donc oui, c'est très bien comme ça. Au café combat, je crois qu'il donne les trucs pour Cup Canaille sucroquin et après pour avoir les différents crimes. Charmini, pardon, mais l'évolution. Alors, ok, donc on va faire Nitro Charge, on va focus le Charmini pour l'instant. On verra après. Ah mais oui, mais ils sont level 37, j'avais pas fait gaffe. Oh putain, je vais me faire défoncer. J'avais pas vu leur niveau. Champ canon, bon alors ça va pas faire grand chose. Si, sur Blaze, oui. Ah mais oui, mais il est pas encore de... Oh non. Ah bah... Rip ma team. Rip. Ma team va mourir parce que champ canon fait de plus en plus de dégâts.
mets un crit, s'il te plaît. Non, bon, bah alors, attraction. Mon dieu, ça m'a toujours fait rire cette attaque parce que les Pokémon deviennent amoureux de n'importe quoi. Genre, la Pyrole, il est amoureux d'un Charmini, rien ne va. Alors. Quoi? Oui, je vais changer. Bon, les YOLO. Toxizap, il va se faire défoncer. Acide, ça touche les deux. Oh non. Oh non. Oh, s'il te plaît, tue-le, Lapiro. S'il te plaît, ne sois pas amoureux. Tue-le. Oui, tue-le, s'il te plaît. Non, il a un PV. Rip. Bon, bah, oh. Oh non. Ça va, il a fait coup de main sur attraction, c'est pas trop grave, mais mon dieu. S'il te plaît, tue-le. Ne sois pas amoureux. Non. Bon, alors toi on te tue. Et voilà. Non. Non. S'il te plaît, Lapiro, tape. S'il te plaît. Non. Adieu. Adieu, M Shadow. Rip. Le seul coup critique, hein, il se marque pas. Non. Je vous le dis tout de suite. Bon, Gragnat, il a Glyphacier. Donc lui, il ne pourra pas être sous l'effet de charme. Hein. Enfin, de attraction, pardon. Glyphacier sur Cup Canaille. Il a Calinerie, par contre, il va me tuer. Hein. S'il te plaît. Mais non, mais... Tue ce Pokémon. Ah, rip. Les dégâts. J'avais complètement oublié qu'ils étaient niveau 37. Ah bah adieu. Je crois que champ canon c'est Echo, hein. Je crois que Echo ça existe plus. Alors. Ok, il me reste deux Pokémon. La rocaille, qui n'a pas de sexe, donc du coup ne peut pas être sous attraction. Et mon cher Howard qui ne peut pas non plus être sous attraction. Car c'est une femelle. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi dans ce jeu ils n'ont pas fait ce qui existe dans la vraie vie, c'est-à-dire que les Pokémon peuvent être attirés par le même sexe. Oh, c'est pas parce que c'est des animaux ratés que voilà. Après, c'est après oui, je peux comprendre que sinon stratégiquement, attraction marcherait sur tout le monde. Bon, bah... Plus jamais. Plus jamais. J'aurais pas dû faire ça, je suis vraiment une brêle. Bon, bah du coup, on va arrêter cet épisode sur une défaite. C'est pas grave, vu qu'on va aller à la salle des reliques dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à vous dans une prochaine vidéo, les Waka Waka.